Poupette Kenza, mère dévouée, souhaite que ses enfants reçoivent une éducation de qualité à Dubaï. Elle s'engage à offrir les meilleures opportunités d'apprentissage aux enfants dans cette ville dynamique et en constante évolution. Mais malgré ses efforts inlassables, elle ressent un écart entre sa vie à Dubaï et sa vie en France, où elle se sent plus en sécurité. Dubaï est une ville symbole de développement et de prospérité, grâce à ses gratte-ciels éblouissants et à son économie en plein essor. Pour de nombreux résidents, c'est un lieu aux possibilités infinies. Mais même pendant cette fête, Poupette s'inquiète pour la sécurité de sa famille. Poupette accorde une grande importance à offrir aux enfants une éducation de qualité. Elle s'est installée à Dubaï. L'influenceuse Poupette Kenza s'est excusée pour ses commentaires antisémites. L'influenceuse Kenza Banchrif, également connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Poupette Kenza, exprime des opinions antisémites sur son histoire Instagram le mercredi 15 mai 2024, affirmant qu'elle ne veut pas travailler avec des juifs. Après une avalanche de critiques, elle s'est excusée et son compte Instagram a été bloqué sans aucune mention de ses commentaires. Selon le journal Le Parisien, l'influenceuse Poupette Kenza aurait présenté ses excuses pour des propos qui semblaient antisémites. En publiant une story Instagram le mercredi 15 mai 2024, elle a déclaré « Cette jeune femme, qui compte plus d'un million de followers sur les réseaux sociaux, et pour plus de détails on va écouter ses propos ». Tu me dis si ça te plaît. Je voulais des spaghettis. Il n'y en a plus, ma vie, ça c'est pas ton poulet, ça te va ou pas? Oui, c'est bon? Tu manges tout, hein. Le yaourt aussi et tout. Qui te coiffe le mieux? Maman. C'est vrai? Maman. C'est vrai? Maman. Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est moi qui t'ai coiffé mieux. Maman. Tu sais qu'il reste plus beaucoup de jours avant, avant les vacances. Il reste 2 et après fini? Non, 17. À 17 comme ça? Plein. Vas-y, mange. C'est ton combienième déjeuner, là? Calice. Et à chaque fois qu'on mange un truc... Il vient se poser avec nous pour manger. Hein? Oui, on dit. Regardez sa coiffure. C'est comme ça que je les aime le plus. Oh, qui a fait tomber les framboises? Ah, s'il va te dire. Calice, c'est qui a fait tomber les framboises? Qui a fait tomber les framboises? C'est Anna qui a fait tomber les framboises? Non, c'est toi. Je t'ai vu. C'est Anna, elle est partie où, tu m'as dit? À l'école. À l'école? Oui. Elle va revenir après. Tu vas aller à l'école, toi aussi? Oui. Oui. Et la police des enfants? Ici. Et là, ils sont là. Ils viennent te chercher? Oh non. Là, ils ont dit que t'as fait des bêtises. Non? Non. Ah bah, dis-leur non. Non. J'ai pas fait des bêtises. Je suis un grand garçon. Dis, je suis un grand garçon. Faut leur dire ici. Hein. Tu dis, venez pas me chercher. Je reste à la maison. Avec papa et maman. Arrête de parler. Pourquoi t'as grandi comme ça? Pourquoi t'as grandi? Les filles. Moi en dépression qu'hier, mais un petit peu encore. Je vous jure, mais Poupette, je ne supporte plus de dormir avec la lumière du jour. Quelle idée d'avoir mis ces stores. Qu'est-ce que je regrette, les filles. Je pensais que ça allait couvrir la lumière, mais au final... Eh, ça fait un an que je dors avec le soleil. Je dors, je me réveille à 6h du mat avec ça. Genre, tu peux rien faire de plus. Genre, ils lui mettent
des claques, je le déteste. Tout m'énerve. Alan, là, il m'a installé dans la chambre à Calice, dans une pièce un peu plus sombre, on va dire, que les autres. Et voilà. Et du coup, bah là, on est en. Bah, on sait pas. On sait pas où on va aller l'année prochaine. Soit on refait un an sur Dubaï avec un nouvel appart et tout, on voit ce que ça donne. On se laisse une dernière chance. Ou soit direction Londres. Il n'y a vraiment pas d'autre option, les filles. Le Maroc, je sais pas. Alan qui est en train de péter un câble parce que je me rappelle pas de notre premier bisou. Comme si c'était le sujet de la journée après 5 ans de relation. T'as vu après ça, t'arrives même pas à te souvenir de ça. Moi, je vais te lancer des réflexions ici. Moi, je sais pas, c'est important, vraiment. Quand j'étais jeune, j'ai eu plein de mecs, les filles. J'avais fait trop de bisous, je me rappelle plus à qui. J'ai fait où à qui, c'est pour ça que je me rappelais plus pour Alan. Je vous jure, les filles. J'assume. Attends, quand j'étais jeune, les filles, je vous ai dit, j'arrivais pas à rester sans mec, genre. Et j'ai dû avoir. Bah déjà, mon premier mec, je l'ai eu au collège. En 6e. Il s'appelait Dylan. Je me rappelle. Premier bisou au parc, devant chez moi. À 12 ans. Si Anna me fait ça, je la tue, je crois. Et. Après, entre-temps, j'ai eu plein de mecs. Tout le lycée, tout le collège, j'avais tous les jours un mec différent, je crois. Toutes les années, un mec différent. J'ai dû en avoir 8 ou 9. Donc, je me rappelle pas des premiers bisous. Et là, du coup, il vient de me dire le premier bisou, c'était quoi. Du coup, ça m'a rappelé des souvenirs. Et du coup, là, il veut plus me parler parce qu'il m'a donné la réponse à moi. En gros, il a donné sa langue au chat. Là, mes poupettes, on est sortis pour aller chercher Sana. Il y a une chaleur, t'as envie de mettre des grosses patates dans l'air. À colle, il fait trop chaud, c'est étouffant. C'est pas la chaleur chez nous en France l'été, là, quand c'est. Oh, ah, tu peux faire des barbecues et tout. Là, c'est la chaleur. Tu restes une minute, t'es à fondu. C'est pas possible, c'est les cheveux qui gonflent et tout. C'est... Non, tu vas pas dormir sur ces vidéos, par contre, ça y est, je lui dis qu'une meuf, elle était belle, le mec, il fait j'entends que le Grand Prix du F1, là. Mais poupettes, j'arrive pas à me rendre compte que c'est la fin d'année, c'est une dinguerie. Genre Alan, il me disait, ouais, non, ce que je vous explique, la fin d'année scolaire, la vraie, c'est le 2 juin. Sauf que nous, on arrête le 13, parce que, le 2 juillet, pardon. Nous, on arrête le 13 parce que le spectacle de fin d'année, c'est le 13. Après, en vrai, il n'y a même plus de cours. Et il y a plein de... Et moi, je disais à Alan, le spectacle fin d'année, obligé, après, c'est bon. Et il y a plein de parents, genre, ils arrêtent avant, le 1er juin, le 2 juin et tout. Genre là, c'est bon, c'est la fin, là, c'est la remise des diplômes et tout. Et j'arrive pas à me rendre compte, en fait. J'arrive pas à me rendre compte que. Ça fait une année que ma fille elle est à l'école et tout, genre je suis trop nostalgique, genre là quand je vais quitter la maîtresse, je vais pleurer, voilà, parce que c'est Anna, c'est son petit bébé, voilà, quand c'est Anna, elle va partir de l'école, je vais pleurer, spectacle de fin d'année, je vais pleurer. D'ailleurs, vous achetez quoi comme cadeau, maîtresse, les filles? Parce que du coup, c'est mon premier cadeau pour la maîtresse, à la même, j'avais offert des petits trucs personnalisés et tout. Mais du coup, pour la maîtresse, je sais pas du tout quoi acheter, vous prenez quoi, vous? Toboggan. L'année prochaine, c'est toi qui vas à l'école. Maman? Ça va mon amour? Vraiment, tu
tu danses bien au spectacle. Je veux pas voir, je veux pas voir. Je veux pas voir. Papa veut de l'eau. Ah, mais pourquoi je suis en train de réfléchir avec Alan et tout. Et je me suis dit, en fait, je crois que je sais pourquoi à Dubaï je décline tout. Parce que vous rappelez la vie active que... Oh, les pleurs, les cris, les... Vous rappelez la vie active que j'avais en France? De me lever, d'emmener ma fille à l'école, ensuite j'enchaînais sur le ménage, j'enchaînais sur les repas et trucs. J'avais pas le temps de m'ennuyer. Et là, vu que Maria fait qu'elle joue à tout, j'ai vu que je fais plus ça. Déjà, je me sens plus utile, déjà, pour commencer. Je me sens... J'ai plus la fatigue de la maman le soir et tout. Déjà, ça me manque, tout ça. Je me sens plus... je me sentais une maman de fou à cette époque-là. Je me sens plus ça. Et bah, mes journées, c'est les mêmes, quoi. C'est la galère, voilà. Donc, je pense que c'est pour ça que je déprime. Il faudrait peut-être que je reprenne une vie active avec les enfants et tout, genre. Je sais pas. Ça... Il y a trop de choses, en fait. Il y a trop de choses. Les filles, premier petit. T'as fini? En plus, il est récompensé. J'avoue que ça fait tellement longtemps que je leur ai pas donné de bonbons, les filles, par rapport au dentiste de Céana. Regardez, là, il y a quoi, Calice, t'as quoi? Parce que t'as fait pipi aux toilettes. On est parti l'emmener chez chercher Céana à l'école. Il avait pas de couche tout le long du truc. Et il nous a dit pipi et tout. Et genre là, je me suis dit, il ment peut-être. Il a dit pipi. Je vous jure, il a fait pipi aux toilettes. Je suis trop fière de mon fils. Propreté pour les deux. Je suis trop contente. Par contre, la propreté, vous inquiétez pas, c'est pas une course, c'est maman. C'est pas parce que vos enfants, ils ont 3 ans, 4 ans, qu'ils sont pas propres que c'est la mère à boire. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de concurrence là-dessus. Mais je suis tranquille. Je suis trop tranquille. Surtout que c'est pas moi qui a fait le table. J'avoue, il a été fait quand j'étais pas là par Alan, Maria et tout. T'es trop fort, ma vie. Tu vas aux toilettes maintenant. C'est mon fils, 2 ans, Calice. Les filles, ça y est. Il parle, il va aux toilettes. Ah là là, comment ça grandit vite. Je suis fière de toi, mon amour. De toi, ma vie. Mon bébé, ma vie. Wow. Mon bébé, t'es apaisé à Dubaï. Hein. T'aimes bien parce que tu as les bras à maman et tout. Il est trop apaisé à Dubaï. Il a changé, mon fils. Il a changé, il a besoin de câlins, d'attention. Du coup, on ne sait pas si Maria vient. Elle hésite, elle ne sait pas. Peut-être qu'elle va le garder, peut-être que je vais le mettre sur les jaunes. Il a grossi, mes poupettes, mon chat. Regardez. Il a grossi. Ah, et hey. T'es pas trop câlin. Hein. Ça va, mon amour? Ça va? Ça va? J'ai besoin de maman? Mmh. Arrête! T'as acheté les caleçons, mon fils? Les premiers caleçons à Calice? Les filles, Alan, il me dit quoi? Tout ça pour les vues. Ils l'ont ramené. Ils ont ramené la petite dans la neige avec une robe et tout. C'est un montage, ouais. Il n'y a pas de neige derrière. Là, c'est la neige, là, tu vois bien. Ça, c'est un montage. Ça y en a plus. Ils sont dit tout ça pour les vues. Ils ont ramené la mort pleine ici. Là, c'est un montage, mais sinon, elle est dans la neige. Je sais pas en fait. Là, j'ai dit. Là, c'est un montage. Ça, c'est un montage. Le regard, attends. C'est Anna. Pourquoi elle a le droit à un bonbon depuis le dentiste. Elle a eu 0 bonbon. Ah non, c'est son premier. Et elle le mange tout doucement. Regarde-moi. Elle l'économise parce qu'elle sait qu'elle. Tu peux pas. Ça. Regarde-moi. Pourquoi tu croques bout par bout? En avoir. Tu rêves. Il est trop précieux. Non, il est trop précieux. Non, je comprends pas. Impossible. Ça fait une heure qu'elle prend bout par bout. Non, un petit peu. Bon bah les filles, le spa de ce soir il est annulé. Ce que je vous explique. La dernière fois qu'Alan il m'a emmené dans un spa. Je sais pas si je vous l'avais dit sur Snap les filles. C'était un spa. Mes poupettes, c'était même pas un spa. Wallah. On est arrivé. Non mais sérieux, t'inquiète pas. T'as le droit de pas pouvoir, de pas être romantique dans les trucs comme ça, c'est pas grave. Et là il me dit quoi, vas-y, spa à 18h et tout. Le mec du spa il appelle, il dit quoi, c'est pas dispo. C'est ma faute. Les deux seuls spas en relation ils sont. Voilà, voilà, voilà. Tu manges quoi? Un plat. Bah, pourquoi? Parce que tu es Jean? Si. Oui, t'es merveilleuse. Mais papa, on mange pas de plat, sinon on aura mal au poids. Exactement. J'ai une question. Est-ce qu'on invite les poupettes à ton anniversaire dimanche? Toutes les poupettes? Oui? Elles peuvent pas, ma vie, elles sont trop. Mais peu. On n'en peuvent pas, il y aura peu. Tu vas aux toilettes maintenant? Oui. Tu fais comment, pipi? Caca. Caca? Tu fais caca là? C'est des mythes.
Purée. Quelqu'un? Vite, papa, vite, vite, quelqu'un. Vite. Ah, c'est vrai ou pas? Ou tu fais ça? À chaque fois que tu feras caca ou pipi, maman va te donner un bonbon. Quoi? Caca. Allez. حياتك مع ماما شفتي قولي لي يلا قولي هدري بالعربية وي ان شانسون بغيتي تدخلني هنا في الامام يلا انت واش كاين ماما vous allez où là à la piscine. Donc en fait là je vous explique. Donc ce matin, bah wallah, là qu'est-ce qu'il me dit? Ouais les enfants ils ont tué notre amour et tout. Quoi ma vie? Elle arrive mon amour. Wallah t'as dit qu'en gros. Après j'ai dit bah c'est toi t'as pas su entretenir l'amour. Vous savez ce qu'il me dit? Et toi quand t'avais ton lait qui coulait des t-shirts et tout. Voilà là ça commence à sortir les vérités. Là ça commence à sortir. En fait il y a une phase. Vous savez quand j'étais... Non mais c'est, t'as le droit, t'as le droit. Dis tout haut ce que tu penses. Dis tout haut, les poupettes elles vont rien te faire, t'inquiète pas. On se met là. Et voilà, donc là toutes les vérités sont bonnes à entendre. Voilà. Donc quand il y avait le lait qui coulait et tout, bah c'était... dégueulasse pour lui en fait. Bah c'est vrai les filles en fait. Moi quand tu regardes... En vrai, wallah, c'est vrai que des fois... Arrête Calice, arrête mon cœur après. C'est vrai que des fois je regarde mes stories, mes poupettes. Mes anciennes stories, je tombe dessus tout quand je voyais le lait à travers le t-shirt et tout. C'est vrai que c'est un manque de pudeur, hein. C'est vrai. C'est vrai que je l'aurais plus jamais repris. Tu viens, maman. Donc on déménage au Maroc. Maman. Hein? Maman, tu viens, maman. J'arrive tout de suite là avec vous, tout de suite. Sana, tu veux. Ok, maman. Tu veux déménager au Maroc toi? Oui, maman, non, je sais. Oui. Ouais, mes amours. Attendez, attendez, vous êtes trop fous. Mais vous êtes foufou, vous êtes foufou. Les filles, ils me clashent à l'âme parce que j'ai pas épilé mes poils. Mais il est malade, les filles. Là, ça va trop loin. Là, faut pas leur faire prendre la confiance. Ne peut pas les habituer. Oui, je suis pas épilée, c'est rien, c'est pas la mort. Franchement, bravo, c'est vraiment c'est super bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de tester l'autobronzant. Là, j'ai fait deux vidéos TikTok qui vont bientôt sortir dans la semaine. Franchement, l'odeur, elle est exceptionnelle. Mais vraiment, ça sent super bon. Moi qui étais hyper réticente face aux autobronzants parce que j'avais peur d'avoir des boutons, j'avais peur que ça me pique, j'avais peur que... Enfin bref, moi, je suis une chouchotte là-dessus. Ça sent bon, c'est facile d'utilisation. Là, j'ai fait mes jambes, mes bras et le cou. J'ai pas encore osé faire le visage. Mais franchement, utilisation parfaite. Là, je vais attendre 4 heures pour voir le résultat. Mais franchement, j'ai vu que sur votre site internet, vous aviez eu des mauvais retours, alors que le produit n'était pas sorti. Moi, pour le coup, j'ai vraiment testé et c'est approuvé à 100%. Alors, ça fait pas non plus un bronzage où on voit que c'est fake, justement, je trouve que ça fait hyper naturel. Donc franchement, bravo, c'est vraiment c'est super bien. Oui, oui, je vais te montrer. Les filles, on a reçu la tenue Vaiana de Céana pour son anniversaire dimanche. Donc, il y a la petite fleur en barrette qui va avec. Il y a le petit collier de Vaiana. Je vais voir c'est quoi là, ça c'est elle va être trop belle, mon amour. Ça va bien lui aller. Yeah. Et il y a la petite couronne pour les cheveux. Par contre, je lui essaye, mais je vous montre pas. Je vous fais la surprise à vous. Ok? Maman. Donc, à la petite jupe, regardez comme c'est trop mignon. Trop mignon. Tu vas être trop belle, ma princesse. Tu vas y en a une princesse. Ça, c'est le haut. Ouais, trop jolie. On essaye yeah. On essaye. Regardez les filles. On a tout reçu, les petits jouets pour les enfants. Calmez-vous, je veux voir, oui, bah attends, on va montrer aux poupettes. On va tout montrer, on va montrer aux poupettes. J'ai même pris des boîtes à... Ah oui, moi, j'ai vu les... Attends, mon amour, ça, c'est pour les burgers. J'ai vu les anniversaires, tous les copains, les filles. J'ai pris les idées à droite, à gauche, j'ai tout fait. Donc, je leur ai fait des petites boîtes. Vous savez, les petites boîtes, là, comme... en fast food et tout. Comme ça, on va leur mettre des petits burgers et tout. Attends. Oui, attends, on va tout monter. Comme ça, tout sera prêt. Bref, je vous montre tout. Moi, je suis une vraie Vaiana. Oui. Allez, regarde-moi. Je sais pas, ça va où, ça, les filles? Ça va où, ça? Derrière, là. Sana, regarde-moi. Que tout signe. Regarde-moi, la timide.
C'est bon, t'es pas trop amoureux là, ça y est? Et ça c'est pour Calice, pour l'anniversaire. Ouais. Bonsoir. Alors qu'est-ce qu'on dit à sa maman? Merci maman d'amour. On est en train de tout préparer les filles. Regardez les petits sacs des princesses. Vu que Sana c'est une plus grande, on a fait un modèle différent que Calice. On a fait en mode sac transparent pour les princesses et là on leur met leurs petits jouets dedans. Les bulles, les cahiers de coloriage et tout. Trop mignon, j'aime bien, j'aime trop. Pour les invités et tout, trop mignon. Bonjour. Pareil, petit pot de miel, on va tout préparer, on vous montre après. T'es contente? J'ai même pris les verres. Hop. Les petites boîtes pour les burgers. Les Capri Sun, enfin la totale quoi. Les petits pots pour les pop-corn des princesses. Trop joli. Allez, allez. On va mettre ça. On prépare les sacs ou t'as la flemme? Dis-moi tout de suite. La flemme. C'est vrai? Tu vas préparer pour tes copines? Oui. Bah je le fais? Non. Trop contentes les filles. On a les petites sucettes là. Trop bien. On a préparé tous les sacs pour les enfants. Donc dans chaque... qui prennent bien la forme parce que c'est un nouveau modèle. Dans chaque sac, il y a... Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Je crois que ma caméra elle est sale. On a fait tous les sacs pour mes amours. Non, on n'ouvre pas mon amour de ma vie, c'est pour les copains. Dans tous les sacs, on a mis un petit sac de coloriage, un petit coloriage, petit truc à bulles. Calice, non? Ah oui, mais c'est me well home. Une sucette. Tu fermes. Et un petit pack de bonbons. Voilà. Trop trop mignon, j'aime trop. Voilà. Hein? Bon allez les filles, je vais leur faire du poulet avec du riz. Du poulet en sauce avec du riz, mes amours. Mon amie Sophie, les filles, elle m'a mis dans ma valise, parce que je dormais chez elle en France, elle m'a mis ça. Vous savez, il est excellent ce mélange d'arômes, il est délicieux. Je ne sais pas s'il se trouve partout dans toutes les grandes surfaces, parce qu'en fait, j'ai cuisiné chez elle, on a fait des pâtes bolo, et ça a donné toute la différence au goût, ça. Il y a de l'oignon, du basilic, du romarin, excellent, chez excellent. Du coup, elle m'a mis dans ma valise et je l'ai retrouvée en arrivant. J'étais, oh mon petit cœur, elle m'a mis ça dans ma valise. Franchement, ça donne un bon goût à la provençale et tout. Magnifique ce mélange. Un bon poulet, bien aromatisé à la provençale, bien épicé, avec des petits oignons, avec du bon riz, on va se régaler. Je me dépêche, comme ça après je vais me boucher pendant que ça cuit, je vois. Normalement ce sera cuit. Une petite cuisse, c'est assez rapide. J'ai fait ma douche en une seconde. J'ai eu Maria sur le dossier. Maria, mon petit. Bah oui. Quoi? Bah quoi? Non, Maria, too much, Maria. Oui, mon amour, oui. Quoi? Viens, mon bébé. Oui, Maria, c'est bon, trop chill. Oh, too much. Rice is finished? J'en peux plus. Il t'a Elle a mis la nappe, la table, s'il te plaît. Elle est où? Maria, my Maria. Where is the white? Je l'appelle white, la nappe. Voilà mon anglais. Non, pas encore. Attendez, je vais changer de place parce que le poulet, là, faut qu'il cuise un peu plus. C'est qu'à part. J'ai hâte de déménager les filles parce que là. Et puis on va mettre là. Voilà. Dis quoi, ma vie? J'adore ton repas. C'est vrai? Petit repas en famille, ça faisait longtemps. Je sers qui en premier? Moi. Toi? Je sers qui, Calice? C'est ma tête. Ta cuillère? Oui. Du bon riz, les filles. Avec du bon poulet en sauce. Des oignons, mais tu vas pas les manger. La cuillère, c'est Anna, donne-lui. Attends, est-ce que tu sais que je suis fière de toi? T'as mis la couche ou pas? Oui. Tu sais que je suis fière de toi parce que tu mets plus la couche la journée? Oui. T'es un grand garçon. Tu vas où maintenant? Tu vas aux toilettes? Tu fais quoi aux toilettes? Tu fais quoi, pipi ou caca? Oui. Et caca aussi? Caca aussi. T'as 2 ans, t'as grandi, mon amour, ma beauté. T'es un grand. Allez, rentre, ma fille. C'est quand ton anniversaire, mon amour? Dimanche. Vaya. Vous avez hâte? Et sirène? Ouais, la sirène, elle sera là aussi. Calice, maman, elle va te...
Elle va te choisir une tenue aussi pour que tu sois accordée en la même couleur que Céana. Oui. Ok. La même couleur. Oui. Bye, Laura. My Maria, this one is gift for you. I explain you. This one is from Morocco, yeah. And is for this one. Mm. And when you put this once a day, yeah, always, all days, yeah, you will be all white. Wallah. Remove. Mais en fait, j'ai demandé à la marque qui m'envoie du Nila pour Maria. C'est de la bombe. Elle a un masque de grossesse. Je lui ai expliqué, parce qu'elle savait pas que c'était un masque de grossesse. Je lui ai expliqué que c'était un masque de grossesse. Donc là, je vais lui mettre le masque Olina Royal. Maria, also here you have. Yeah. Ses genoux aussi, elle a de l'hyperpigmentation à la mort. Donc ça, c'est le masque Onila. Il faut en mettre tous les jours, les filles. J'ai trop envie de prendre en avant, parce que apparemment les résultats, ils sont dès la première utilisation. Donc je pense que je vais prendre en avant. Donc là, mes poupées, je vais lui appliquer. Donc ça, c'est un masque au Nila Royal, vous allez venir l'appliquer sur le visage, sur toutes les zones, hein, vous inquiétez pas, sur toutes les zones hyperpigmentées. Show me my Maria. Et vous allez laisser sécher, quand c'est sec, vous pouvez laver. Et c'est de la bombe atomique, c'est magnifique. En plus, celui-là, c'est du pur. Vous savez que le Maroc, c'est hyper réputé. Puis j'ai même pas lavé les mains. Bon. C'est hyper réputé pour le Nila, les filles, vient tout droit de là-bas. En plus, cette marque, je pense que vous la connaissez toutes. Sweet Naboji, qu'est-ce que je l'aime, cette femme. Elle est tellement adorable, tellement gentille. Je vous jure, elle est trop mignonne. Elle fait tout pour sa marque. Je l'aime trop. Et ça fait des mois et des mois et des mois qu'elle n'a pas fait de moins 45% sur son site. Elle le fait exceptionnellement pour vous si vous voulez tester. Donc là, donc déjà, j'en ai mis sur son visage. Pareil ici, les filles, en fait. Vous pouvez en mettre partout. Partout où c'est pigmenté, je vous ai pris un avant aussi. Partout, vous attendez juste que ça sèche pour laver. Et vous faites ça déjà, les filles, au bout d'une petite semaine, vous avez des résultats de malade mental. Là, on va voir sur le premier essai, on va voir ce que ça donne. Show me this one, my Maria, please. Voilà, ça va être canon de chez canon. C'est naturel, ça vous enlève toute l'hyperpigmentation, les taches brunes, les masques de grossesse, ça hydrate votre peau. C'est que du bénéfice. Je pense que vous connaissez tout le Nila. Je vais demander vos avis, mes poupettes, parce que c'est la première fois de ma vie que je vous donne un code chez Sweet Naboji. Sur leur Nila, là, moins 45%. Donc, je veux trop vos avis pour celles qui ont déjà commandé chez eux. Vous avez partagé une autre marque de Nila, mais par la suite, j'ai appris que c'était quelqu'un qui travaillait pour elle, qui a copié son site, etc. Ça m'a trop touchée. Ça m'a trop, trop touchée. Mes poupettes, vous avez tout. C'est magnifique. Regardez. Vous avez un exfoliant visage au Nila. Vous avez la crème hydratante, là, la chantilly au Nila, pour vous hydrater tout le temps, en fait, pour entretenir la blancheur. Vous avez aussi ce nouveau sérum, là, pour les cernes, les filles. Pour celles qui ont les cernes hyper foncées, c'est de la bombe atomique. Vous avez le savon aussi, c'est un de leurs best-sellers. Savon au Nila pour éclaircir votre peau soin quotidien. Là, je dis à Maria, écoutez, là, les filles, on vous fait un crash test. On va mettre vos avis, on va vous donner un big code moins 45. Dans une semaine, tous les jours, Maria va le mettre et on va vous faire un avant-après, d'ici une semaine, ok? Mais le code moins 45, je ne sais pas si je l'aurai la semaine prochaine. Ensuite, vous avez, c'est quoi ça, les filles? C'est une crème aussi, voilà, de nuit réparatrice. En fait, il faut mettre la totale, ça entretient tout. Je vous explique, vous avez moins 45%, les filles, même si vous prenez un seul produit. Par contre, si vous prenez pour 99€ d'achat, vous avez la trousse qui est offerte. Voilà, vous avez la petite trousse qui est offerte, trop mignonne. Donc voilà, après il y a plein d'autres trucs qu'elle a mis dedans. Je pense que c'est des petits échantillons. Trop mignon, j'aime trop. Ah, c'est des petits échantillons, c'est trop mignon. En attendant vos avis, les filles, on attend que ça sèche sur ma lien. On va attendre que ça sèche là. Et on va enlever, on va vous mettre le avant après. C'est de la bombe. Ça, moi, mes poupettes, j'ai pas d'hyperpigmentation. Ni sur le visage, ni sur les aisselles, ni tout ça. Vous aurez fait sur moi, du coup, et je préfère carrément l'offrir à Maria. En plus, voilà, je lui ai promis le kit. De base, c'était un cadeau pour elle. Et après, bah, ils m'ont dit, bah, donne un code. Du coup, je donne un code, mais j'ai trop hâte pour elle. Elle a la panoplie. Je vais tout lui expliquer. Je vais lui dire le matin. Maria, look, this one is a soap. Yeah. In the morning, in the night, you clean your face with this one. Ok. This one, Maria, is the mask like that. You put like that. It's good. Maria, you don't have this one. No, here, blue, it's not blue, this one. Ah, yeah. You don't have. Les cernes, maybe you don't understand me, Maria, it's okay. Maria, this one is scrub, yeah. Okay, if you want to scrub. But Maria, one week, always this one, okay? Je veux trop vous donner un retour, un vrai retour. Là, on va voir le premier truc.
Donc là, mes poupettes, ça a quasi séché, regardez. En gros, là, quand c'est un peu sec comme ça, là, vous pouvez retirer le produit. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, je lui ai pris un petit, ça va, un petit nettoyant comme ça, là. Et je vais retirer le produit et je reviens. Je viens de rendre compte que tout ce que j'ai acheté en France, ça boycotte. Genre j'ai pris des doigts, Paris, des trucs comme ça. Après je vais pas les jeter, mais je les rachèterai plus quoi. Mais je vous jure mes poupettes, avant la polémique qui m'arrive là, j'étais très concernée par la Palestine, mais pas autant que maintenant. Genre quand j'ai vu en fait la haine qu'avaient les sionistes et tout envers ceux qui soutiennent, quand j'ai vu des... Je vous ai même pas posté parce que flemme de revenir, mais des bombes avec mon nom dessus, enfin des missiles et tout, des trucs comme ça. Ça m'a trop mis la rage, genre. Ça m'a encore plus mis la rage parce que je me suis dit, ah ouais, eux là, faut leur donner 0 €. C'est pour ça que je partage pas. Et je vous disais, ouais, mon discours il y a quelques semaines, c'était, ouais, vous voulez que ça change quoi, nous, c'est les influenceurs, si on vous partage et tout. Mais en vrai, attention, je vais attiser la haine sur personne ou quoi que ce soit. Mais au monde là, ceux qui m'aident rien, genre même pas un soutien, c'est écœurant. Genre c'est vraiment écœurant, genre. Je sais pas, j'aime. En fait, je vais vous dire ce que j'ai perdu en prenant parti. Du coup, alors avant, c'est même pas je prenais pas parti, j'en parlais pas parce que voilà, j'étais pas assez située sur ce qui se passe. Donc je vais pas dire conflit parce que vous allez me dire c'est un génocide et tout. Donc du coup, je prenais pas parti parce que bah j'avais trop peur de dire un mot de travers. Mais maintenant que je sais et tout, et que maintenant je sais pourquoi celles qui n'en parlent pas, elles n'en parlent pas. Genre même pas mettre un drapeau, genre juste un drapeau. Genre pray for. Juste pour dire, t'as vu, je suis de votre côté. Parce que là, mes poupettes, vraiment, toutes les marques, pas toutes, hein, mais qu'il y a beaucoup de marques de placement et tout. Enfin, moi perso, non. Il y a juste la Chilée qui m'a lâché. C'est pas grave, je vais tester Caracas. Je m'en fous, les filles, ils m'ont lâché, mais la Chilée, ça faisait 4 ans en plus. Ça m'a blessée un peu parce que je me suis dit, enfin, ils me connaissent, ils savent que je sais pas ce que je voulais dire et tout, mais bon, tant pis. Mais à part eux, le reste, je travaillais pas, on va dire, avec des sionistes ou quoi. Donc il n'y a pas eu de problème. Mais il y a beaucoup. Poupette Kenza, connue pour son ouverture d'esprit et son dévouement, fait face à de nouvelles critiques pour avoir exprimé son soutien aux Palestiniens. Sa récente libération a été vivement critiquée, certains partisans enthousiastes et d'autres sévèrement critiques. Mais qui est Kenza Poupette dans la vraie vie et quelles sont ses convictions ? Kenza Poupette est issue d'un milieu où la liberté d'expression est souvent soumise à la censure, et elle se passionne pour les causes qui lui tiennent à cœur. Son plaidoyer en faveur des droits des Palestiniens ne fait pas exception. Consciente des injustices qui existent dans cette partie du monde depuis des décennies, elle a choisi de s'exprimer, même si des obstacles subsistaient. Poupette avait déjà quitté les réseaux sociaux après les attaques et les accusations sur ses placements de produits, mais pour rappel, Poupette Kenza avait lancé une cagnotte pour construire un orphelinat au Maroc. Mais beaucoup de polémiques tournaient autour de Poupette Kenza actuellement à Dubaï. Elle vit sa vie de famille, décide d'accompagner ses enfants et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.